Yo les petits potes, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi tout simplement nickel. Aujourd'hui les gars, je suis extrêmement content parce que tout simplement un concept déjà fait plein de fois sur YouTube. Mais là, je vais essayer de le faire moi aussi de mon côté, donc ça va être bien, c'est simplement une tier list de YouTubeurs tout simplement. Donc je vais pas vous mentir, il y en a plein que je ne connais pas, j'en connais quand même pas mal heureusement hein. Mais comme il y en a plein que je ne vois pas du tout qui c'est. D'ailleurs, j'ai un problème. Deuxième chose, j'ai enregistré l'écran de mon ordinateur, parce que lui est passé puissant, donc j'ai fait un bordel pour enregistrer. Mais juste désolé si tout est un peu plus, on va dire, les icônes en haut, c'est un peu beaucoup plus petit. Je suis désolé, j'arrive pas à les agrandir. Donc tout simplement, bah bonne vidéo. On se retrouve simplement maintenant sur mon ordinateur. Bon les gars, on est sur je sais pas quoi là, tierlise.com, machin bidule, machin chouette, là, ça fait plaisir. Donc tout simplement, là j'ai fait. Donc j'ai mis donc du moins bien au meilleur. Donc on va commencer par le meilleur. Comment? Non, je rigole, c'est le meilleur du tout. Donc le début, c'est donc c'est meilleur de toutes les chaînes de tous les temps. Donc, tout simplement, je sais pas encore, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup techniquement. Après on a là on est bien. Donc c'est avant la meilleure. Après c'est trop bien. Déjà vu, pas foufou. Là on n'est pas bien. Nul. Et claqué au sol. J'ai déjà mes petites idées. C'est ça, c'est méchant. Donc tout simplement, let's go, je vais commencer et après je vais vous mettre un petit accéléré et après je fais le débrief de tout ce que j'ai choisi. Donc déjà, voilà, Cyril M, non, ah ouais, lui là j'ai oublié comment il s'appelle, Poisson Féconde, j'ai regardé sa dernière vidéo hier d'ailleurs. J'ai envie de le mettre là, parce que vraiment c'est la vérité, simplement, voilà. Après on a trop, je sais pas quoi, j'ai envie de mettre... Ah là on n'est pas bien, parce qu'il y a du travail mais bof. Donc je préfère mettre ah là on n'est pas bien, donc direct on descend d'une belle case. Après on a Léo de la chaîne Techmaker, je regarde beaucoup aussi, c'est un peu ma chaîne du moment. Pas mal de pubs mais j'aime bien. Je mettrai déjà vu, mais bien, parce qu'il y en a plein qui le font. On avait par exemple Cyril MP4 mais qu'il fait beaucoup différemment, c'est pas vraiment de l'high-tech. Ou on a par exemple, j'avais un nom là, Geekmap, qui fait un peu pareil. En très bref, c'est un peu pareil. On va tout simplement continuer. Un truc très connu. Ah oui, Greg Guillotin. Attends, j'avais pas fait un autre endroit. En bref. Donc Greg Guillotin, donc c'est nous, c'est la série nous. J'aime beaucoup. C'est beau, vraiment, j'ai envie de mettre. Ah là on est bien, et encore j'hésite à mettre plus haut. Un petit dernier et après on va mettre un petit timelapse. Je vais mettre Squeezie. Bien lui où? Là. Écoutez, je vais le mettre. Non, je rigole. Oh, j'aime bien, mais. Ah là on est bien. Voilà. Ah, je vais me faire taper. Donc les gars, simplement petit timelapse et après on fait un débrief pourquoi j'ai choisi ça. Non, pourquoi je l'ai mis là. Tout simplement. Les gars, tout simplement, j'ai fait mon petit truc. Je suis d'accord, il y en a beaucoup, mais mec, celui qui l'a mis, mais je ne les connais pas. Donc, tout simplement, ce que j'ai rajouté trop bidule. Non, ça, je l'avais déjà fait. J'ai rajouté Thibaut InShape, j'aime bien, mais c'est toujours un peu. C'est pas trop un thème que j'aime. Après, on a Cyril MP4 que j'aime bien parce qu'il fait certaines choses que d'habitude, tu vois, ne font pas, comme par exemple du. GTA, je sais plus, oui, il faisait plein de best-of GTA, je crois pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait, donc ça date, mais j'aime bien. Après, on a Squeeze, toujours des réactions, mais j'aime bien parce qu'ils sont un peu différentes des autres, ou même on a les histoires d'horreur, les threads d'horreur, donc j'aime bien aussi. On a le grand JD que j'aime bien parce qu'il fait plein d'explorations, il explique, j'aime beaucoup aussi, mais je regarde moins, mais après, il sort pas beaucoup de vidéos, mais c'est normal, vu que ça prend du temps à faire. On a Norman, j'aime beaucoup, il en sort moins, mais c'est chaud à faire des vidéos, parce que surtout les vidéos comics, c'est celle où t'en as le moins, mais après ça prend du temps, c'est normal. Après on a tuto bidule, je crois qu'il a, oui, il a arrêté. Moi j'aimais bien ce qu'il faisait. C'est vraiment complètement différent, où il imitait quelqu'un de bizarre. J'ai oublié exactement, je me rappelle juste des vidéos, mais très vaguement. Donc c'est pour ça que j'ai mis là, parce que c'était aussi, je crois que c'était un des seuls youtubeurs à faire ça. Tu es sûr? Peps, hein? Oui. Tu vois, je vais t'ouvrir, allez.
voir mes petits abonnés, ils sont là. Hein. C'est les boss. Poum, des pouces bleus. Pas le clavier, ma belle. Après, il y a Mister V, j'aime bien parce que. Surtout les rap VS réalité. Oh là là. On a Cyprien, j'aime bien ce qu'il fait. Il fait par exemple sur les pays ou les. Oh, voilà. Sur les pays, il fait plein de choses, bah, comiques. Mais c'était différent de Norman. Donc c'était ça qui les différenciait un peu et chaque. Après, on a. Non, j'ai oublié comment son nom là. Il fait des histoires de guerre. J'adore tout ce qui est histoire. J'adore. Il l'explique très très bien. Après, on a Natou qui fait du comique et encore différent. Donc. Ça se rapproche peut-être un peu plus de Norman, mais c'est encore différent. Après, on a Conquirax, où là, j'aime bien. C'est pas le meilleur, mais j'aime bien, tu vois, quand je regarde, je suis content, ça me met de bonne humeur, j'aime bien, j'apprends des trucs sur les jeux vidéo. Ou même, par exemple, je sais plus là, je regarde plus trop, mais oui, par exemple, il fait les jeux qui ont le moins bien marché, les jeux qui ont le plus marché, surtout ceux qui ont le moins bien marché. Et pourquoi aussi, ça j'aime bien parce qu'il l'expliquait. On a Dr. Nozman, on apprend plein de choses, mais c'est pas trop mon style, mais je l'ai mis comme dans très bien, dans trop bien. Parce que tout simplement, bah, on apprend quand même pas mal de choses sur des trucs scientifiques, et c'est toujours le même thème, et c'est un peu. C'est pas toujours la même chose, quoi. Après, on a Léo de la chaîne Tech Maker, ça va. Parce que tout simplement, il fait il présente des objets qu'on n'a pas forcément vus. Donc, lui, il a sa place, tu vois, parce qu'il fait pas trop de pubs comparé à d'autres où c'est genre, il y en a 20. Ouais, t'as une Mi 60. Une Mi 660. Ouais, c'est trop bien. Elle est archi puissante, la carte graphique. Elle date de 2-3 ans, mais t'oublies les années. Elle est claquée, mais bon. Hein. Et en gros, il te vend des trucs, il te prend pour un pigeon. Le pigeon. Après, on a Tim. Je regarde pas trop. Il y a juste son dernier clip de musique que j'ai un peu remarqué. Que j'ai un peu. Qui m'a vu en tête. Il fait truc comique, je crois. Et c'est juste ça que j'ai aussi à juger dans, pour mettre dans déjà vu. Après, on a lui. Il fait des remixes, tout simplement. J'aime bien. Mais j'ai mis dans déjà vu parce qu'il y en a plein d'autres qui le font. C'est lui celui qui a le plus percé. Mais je le mets quand même dans déjà vu. Comme je vous l'ai dit. C'est pas la première chaîne YouTube à faire ça. Lui, je l'ai vu sur TikTok. Je sais qu'il fait du humoristique, pas très drôle. Mais tu vois, ça va 2 secondes. Mais sur YouTube, je ne sais pas pourquoi c'est sa chaîne. C'est juste grâce à TikTok que j'ai un peu plus jugé. Après, on a trop. Ils te font des tutos. On est d'accord, c'est bien travaillé, c'est bien filmé. Des tutoriels, mais c'est limite. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Trotro. Aujourd'hui, on va vous apprendre à comment brancher un câble XLR à un micro XLR. Bonne vidéo. Alors, comment mettre son câble XLR? Tu as un câble, 3 petits trous. Alors, tu prends ton micro, tu le prends. Waouh, tu as réussi à brancher ton micro. J'espère que ce nouveau tutoriel de Trotro t'aura plu. Tu auras pu enfin comprendre comment brancher ton magnifique câble rouge XLR à ton magnifique Bemison acheté en réduction à Lidl. Waouh, des réductions! Moi, 75%, vite, Lidl! Bemison! Calmez-vous, bande de fous. J'étais en train de parler du Bemison à moins 75% de réduction. Ce n'est pas la fin du monde. Oh, calmez-vous. Donc, simplement, si l'épisode vous aura plu, n'oubliez pas, bien sûr, d'acheter le Bemison à Lidl! Mais arrête, ne me contredis pas dans cette magnifique voix de qualité. Donc, bien sûr, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de mettre la cloche. Bien sûr, le pouce bleu, like, abonnement, commentaire. Et d'ailleurs, dis-moi, s'il y a la réduction, Lidl! Non, mais arrête, toi, par contre, là, j'en ai marre. Là, je vais, je sais pas, là. Allez, au revoir, les petits poteaux. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos ultra importante. Comment apprendre à clapper avec vos mains. Clap, bonjour. Non, vous ne verrez jamais ce clap. Vous êtes trop stupide, vous ne pourrez jamais le faire. Bonne chance. Deuxième tuto. Bonjour, je vais vous apprendre à clapper des mains. Vous prenez une main comme ça, une autre. Il faut que ça tape comme ça. Mais sur le côté. Waouh, tu sais taper des mains. Bravo. Si la vidéo t'a tout simplement aidé à enfin apprendre à clapper avec tes mains, et ben n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, à t'abonner et bien sûr à mettre la cloche pour apprendre de nouveaux tutos. La prochaine fois, on va vous apprendre à péter avec votre bras. Ils arrivent pas, ils sont pas crédibles. Après, on a tout simplement dans nul, j'ai pas trouvé, je suis désolée, j'ai pas trouvé. Après, on a... En vrai, ça fait un peu pitié parce qu'ils sont exploités. C'est en fait... C'est même, j'aime pas, parce que c'est pas de mon âge, j'aime pas trop les concepts. Même si j'aimais, j'aurais mis dans
claquer au sol parce que ça fait du mal que les gens soient exploités. Donc c'est ça, pour ça que je mets là. Là, pareil. La main fâchée. Alors, je suis d'accord, c'est ultra bien travaillé, mes frères. Mais tu nous dis des conneries, mes mecs. Mais tu les as pris dans tes shots et tu les as ressortis, tu les as écrits. C'est exactement pareil. Là, faut mettre de la haine parce que là, c'est abusé. Limite, c'est... Bonjour à tous, c'est la main fâchée. Aujourd'hui, je voulais juste vous dire quelque chose et vous demander juste si, tout simplement, avant que la vidéo commence, est-ce que cette nouvelle voix vous plaît? Je trouve qu'elle est encore plus métallique, mais qu'elle me fait un peu moins mal aux oreilles. Donc, tout simplement, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous apprendre comment le laser a été créé. Il n'a pas été créé par un être humain, non. Et simplement, sa couleur est que rouge. Cela, les autres couleurs sont que marketing. Mais tout simplement, quand vous le prenez, c'est une autre couleur. Mon cher compère va vous tout simplement vous expliquer comment ça marche. Waouh, tu sais comment le laser a été inventé? Il est sorti d'un volcan. Oui, oui, il est atterri chez... C'est pareil, avec enveloppé dans baratte, hein, je sais pas quoi. C'est exactement pareil. Voilà, désolé si je me suis un peu emballé, mais voilà quoi, fallait pour la main fâchée. J'espère qu'il y a des gens qui s'en rendent compte. J'espère qu'au moins 99,99% des gens se sont rendus compte que c'est des conneries. S'il vous plaît, branchez le pois chiche un peu sur on. Désolé. J'ai fait tout simplement tout le tour. J'espère que cette vidéo vous a simplement plu. J'ai passé 23 minutes. Bon, après tout le setup, j'imagine pas, j'ai eu besoin de deux PC. Parce que lui, c'est de la merde, le putain d'homme. Il ne peut pas faire les deux, il ne peut pas enregistrer. Donc j'ai dû en prendre un autre. J'ai dû faire un camion. C'était la galère. Ça va, tout est bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, tout simplement, je vous dis tchuss pour une de mes prochaines vidéos. Bien sûr, les gars. Pouce bleu, like, abonnement, commentaire. Allez, tchuss les gars.